donc la fresque Schtroumpf, c'est 2 mois et demi de travail, plus ou moins 2000 heures. C'est 5 personnes en temps plein avec 3 personnes qui ont gravité plutôt en mi-temps. C'est 60 litres de peinture plus ou moins. On a plus ou moins 10 litres de bleu uniquement pour la couleur du Schtroumpf. Voilà, la difficulté principale ici, c'était le fait qu'on a peint sur le plafond, mais également la quantité importante de détails, puisqu'il y a entre 75 et 80 Schtroumpfs, je les ai comptés, je ne suis pas sûr, mais je dirais qu'il y en aurait 76. Mais donc chaque Schtroumpf est personnalisé, et en plus, donc il y a énormément de détails dans la fresque. Donc on a dû passer plus d'une dizaine de fois pour voir si on n'avait rien oublié, que ce soit la boucle d'une bretelle d'un Schtroumpf, la pointe du crayon d'un autre. En plus, on a dû mettre 2 couches partout. On a mis 2 couches sur tous les contours. Tous les aplats ont été passés en 2 fois. Alors c'est aussi beaucoup de cervicales endolories. C'est quelques séances de kiné et de massage d'ostéopathe pour certains. Voilà, donc ça a été long, mais on est content du résultat. Oh, ben, je les aime tous hein, depuis mon enfance, donc ils sont tous attachants. Ici, bon, moi j'ai vu le travail que tout le monde a fourni, celui qui est sur son transat allongé me donne envie, donc je vais le cibler lui. Tranquillement, les yeux fermés au soleil.